Alors raconte. Ouais, bah, mais a priori, on t'a pas vu dans l'émission. Non, on m'a pas vu dans l'émission. Une cafette en carton, des scoops à la con, du people sans modération. C'est Leslie et les garçons. On a entendu dire que tu avais été contacté plusieurs fois pour Danse avec les stars. On sait tout ici, on sait tout. Pas... Info ou un tox? Bah, info. Bah, non, mais déjà, est-ce que c'est quelque chose qui te branche? A priori, ça s'est pas fait. Est-ce que c'est quelque chose qui te branche déjà? Oui, c'est quelque chose qui peut me brancher. Tellement vraiment, bien beaucoup, dedans. Beaucoup cette émission. Et surtout, bah, du coup, j'ai un vrai affect pour Fauve, avec qui j'ai partagé l'affiche sur SNF. Pas le seul. Hein. Et tous les danseurs à peu près de l'émission. Mais en fait, on s'est parlé il y a 2 ans. Et il me fallait que je fasse encore la tournée de SNF en France. Et ça te donne Night Fever pour les gens qui sont pas dans le métier. Ouais, ouais. Quand ça commence à parler en initial, tu vois, c'est. Ok. Parce que pour lui c'était un match. Hein. Ah pour, lui c'était la SNCF. Ah ouais, pour moi c'était. Je les connais bien ces bâtards, ils m'ont mis une amende ce matin. C'est vrai que ça fait très SNCF. Ouais, grave. Non, bah du coup voilà, j'avais trop de trucs. J'avais Madiba aussi qui arrivait à l'Olympia, j'ai des tournages et du coup c'était pas forcément le bon moment. Mais donc et ce n'est que partie remise peut-être. Ce n'est que partie remise peut-être. Et donc t'aimerais danser avec Fauve? Bah alors ça, elle danse serait ouais, moi, bien sûr. Elle a quitté le jury et maintenant elle est sa vraie place pour moi, danseuse, parce qu'on a envie de l'avoir dansée. Elle, la première. Oui. Hein, oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. Est-ce que vous avez regardé d'ailleurs le premier prime de Dals? Incroyable. Ouais, j'ai regardé un incroyable petit replay. Ouais. Ton analyse. Incroyable. Bah, justement, en parlant de Fauve. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va nous parler de Clara Morgan tout de suite. Non, je te jure, Clara Morgan, j'ai même pas fait attention à elle. Donc, ouais, vraiment, ouais. Elle m'a pas bluffé sur le truc. Parce que, non, mais j'ai bien aimé. Comment il s'appelle? Vincent McDoom. Non, c'était Vincent McDoom. Vincent McDoom, il est pas dans le casting cette année. Ah non, j'ai pas la télé. T'es tout? J'ai pas regardé. Non, j'étais à Chicha vendredi soir. Toi, t'as regardé Gwendal? Du coup, non, j'ai regardé en replay seulement la prestation de Fauve, mais je suis en plein replay. Okay. Donc je peux pas te et dire. Et vous, du coup, vous avez regardé? Et ben, bah, moi, parce que non, mais lui. En fait, Gwendal avait besoin de se faire héberger à cause d'une problème de péniche. Du coup, je suis allé chercher, il était pas là. Donc, mais moi, c'est une super émission. Hein. Non, j'ai bossé dessus, j'ai bossé sur Dals avant, j'ai pas regardé le premier prime, mais bon. C'est vrai que t'as bossé là-dessus. Toi. Ouais, j'ai bossé sur Dals. Ah ouais. En gros, les magnétos. Ouais, il y a des gens qui travaillent dessus. Ça m'a étonné aussi. J'ai dû arrêter de déconner. En faisant un boulot. Ouais, on faisait les magnétos drôle un petit peu à la fin, à l'after et tout, donc c'est nous qui récupérons les chutes, les machins, les trucs comme ça. Enfin, on se foutait un peu gentiment de leur gueule. Ils et sont ça. Hyper drôles les magnétos en plus de Dals. Ouais, bah, bah merci, bah, c'était grâce à toi, c'est bien gentil. Non, pas que, mais ouais, enfin oui, j'ai bossé dessus et ouais, dans l'émission, je l'ai pas regardé cette année, mais c'est un des seuls programmes de divertissement que j'aime bien, genre The Voice et tout. J'adorais, mais de moins en moins, j'en ai vu beaucoup. Mais Dals, j'adore, moi je suis à fond sur Dals. Alors que je danse, grande passion. En fait, le rêve secret de Leslie, c'est quand même de faire danser complètement. Prenez-moi, donc on lance un appel. Pas de soucis, on lance un appel. Ouais, on a la fin de l'émission quand même.